Greetings, world. We are Anonymous. Citoyens du monde libre, bonjour. Suite à l'attentat meurtrier de Berlin, nous lançons un avis de recherche sur le principal suspect conducteur du camion qui a fait 12 morts et 48 blessés sur le marché de Noël à Nissamri. Cet homme à Nissamri mesure 1,78 m, pèse environ 75 kg, il a des cheveux noirs et des yeux bruns. Il peut être violent et armé. Cet homme se fait également passer pour d'autres personnes, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Il utilisait donc plusieurs identités. Classé individu dangereux depuis des mois dans l'ouest du pays et présenté par Berlin comme proche de la mouvance salafiste islamiste, il a fini par être signalé au Centre allemand national de lutte antiterroriste. Une fois de plus, comment cet homme, pourtant surveillé, a-t-il pu commettre cet acte de barbarie? L'homme faisait l'objet d'une enquête judiciaire pour soupçon de préparation d'attentat avant l'attaque de Berlin, selon les autorités allemandes. Il était soupçonné de vouloir commettre un braquage pour acheter des armes automatiques et probablement ensuite, avec l'aide de complices qu'il voulait trouver, de commettre un attentat. Faisons maintenant une pause ensemble, relayez cette vidéo au maximum afin que de mettre toutes les chances de retrouver le suspect de notre côté. Cependant, nous devons de nous interroger sur l'avenir. La guerre génère la guerre. La haine engendre la haine. Comment allons-nous pouvoir vivre en sécurité à l'avenir? Nous avons comme cette impression que les attentats sont devenus une habitude, que les élites sont dans la réaction plutôt que dans l'action et l'anticipation. J'entends déjà des personnes qui vont dire qu'Anonymous ne fait rien, qu'Anonymous n'est rien. Libre à chacun de sa propre pensée, Anonymous a fermé près de 10 000 comptes sur les réseaux sociaux en une année. Anonymous a fermé de nombreux sites liés à l'État islamique. Anonymous a empêché des transactions sur le Darknet. Mais vous qui nous critiquez sans cesse, pourquoi ne pas user de vos forces pour apporter votre pierre à l'édifice? Nous sommes Anonymous. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.